Good morgen, allez, Iden et les Sussres aujourd'hui, le Nishmat, Jeanne Ruth, Bat Fortune, Mazal Fritna, allez, Achaya, Bat Mazal Tov, Lucienne, Batreina et Claude Shlomo, Ben Shalom. Si vous souhaitez aussi des une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Maserhet Gitin, Perek Vav, Mishnah Zain. Amar Lishnem, nous get le Ishti, ou le Shlosha, kit vous get, ou tnou le Ishti, are elu ichte vous veit nous. Amar Lishlosha, tnou get le Ishti, are elu. Yomru l'acherim veichtovu mipene sha'asan bet din divrei Rabbi Meir. Vezo alacha, e'ela Rabbi Hanina, in ish ono mibet ha'asurin, mekubalani be'omer lishlosha, tnuget l'ishti, yomru l'acherim veichtovu mipene sha'asan bet din. Amar Rabbi Yossi, numenu l'ashaliach, af anu mekubalim, sha'afilu amar lebet din ha'gadol shibroshanaim, tnuget l'ishti, שלמדו ויכתבו ויתנו. אמר לעשרה כתבוגת לאשתי, אחד כותב ושניים חותמים, כולכם כתובו, אחד כותב וכולם חותמים, לפיכך אם מת אחד מהם, הרי זה גט בטל. On a deux sujets dans notre Mishnah. La première grande partie de la Mishnah, on va le faire, comme on a une Mishnah relativement longue, on va le faire. J'ai exposé la problématique. On est, depuis maintenant quelques Mishnayot, on étudie le halachot. Qu'est-ce qu'on inclut? Comment nommer un chaliach pour divorcer une femme? L'homme, il doit, d'une part, veiller à lui-même écrire le guet et lui-même donner le guet, mais il peut faire toutes ses actions par l'intermédiaire d'un chaliach. Je peux nommer quelqu'un pour qu'il écrive et je peux nommer quelqu'un pour qu'il donne le guet. Si jamais quelqu'un va écrire un guet sans m'avoir demandé mon avis, c'est pas un bon guet. C'est moi qui dois lui ordonner. Si après, une fois que j'ai ordonné de l'écrire, quelqu'un qui va dire, bon là c'est sûr qu'il veut divorcer sa femme, il a le guet chez lui, il va le donner à la femme, ça marche pas, parce que c'est moi qui dois divorcer ma femme, et je peux donner un chaliach pour le faire, mais pas contourner le chaliach. Ça, c'était l'introduction générale depuis maintenant plusieurs Mishnayot. On va s'intéresser dans notre Mishnah maintenant à une nouvelle situation. La problématique, elle est de savoir, est-ce que, lorsque je nomme deux shlichim pour écrire et donner un guet à une femme, est-ce que ces deux shlichim, ces deux envoyés, peuvent nommer d'autres personnes pour qu'ils aillent à leur place ou qu'ils écrivent le guet à leur place, ou bien non? Moi j'ai dit à Reuven et Shimon ne peuvent pas dire à Lévi et Yehuda de partir à ma place, de partir donner le guet. D'accord? Et réellement, je le dis tout de suite, ils ne peuvent pas nommer un autre shaliach. Celui que j'ai nommé shaliach, il est lui-même shaliach, on ne peut pas prendre un autre shaliach à sa place. Il y a toutefois une exception à la règle, c'est si on va réussir à interpréter, et je vais vous expliquer ensuite comment le cas se présente, mais interpréter que lorsque je vous ai dit « donnez un guet à ma femme », mon intention c'était pas « donnez vous », mais « veillez à ce qu'on donne un guet à ma femme ». C'est-à-dire d'une certaine manière, soyez un bet din, soyez responsable, prenez comme un tribunal qui va veiller à ce que ma femme va être divorcée, je nomme shaliach, le bet din, pour devenir le bet din qui va veiller à ce que ma femme va être divorcée. Et dans ce cas-là, puisque j'ai nommé un bet din, ils pourront eux-mêmes prescrire à n'importe qui d'aller divorcer cette femme-là. D'accord? C'est les deux extrémités qu'on a. On a donc, soit je nomme des shlichim pour faire l'acte de divorcer, ou soit je vais nommer des shlichim pour les nommer responsables du divorce de ma femme. Vous entendez là? Et là, ça va impliquer, puisqu'ils sont eux-mêmes responsables du divorce de la femme, ils peuvent nommer d'autres personnes à la place pour concrètement concrétiser l'acte. C'est le sujet général qu'on a dans notre Mishnah. Et ça va se présenter de deux manières, pour que ce soit un chaliach, et une manière pour que ce soit un vrai bet din. Pour que ce soit un chaliach, d'abord, si c'est deux personnes, peu importe ce que tu leur dis, tu nommes deux personnes, c'est des shlichim. Jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui doivent donner le guet, et ils ne pourront pas nommer personne d'autre à leur place. Si toutefois tu vas nommer trois personnes, alors trois personnes, ça peut être un bet din, effectivement, mais à condition que tu leur as dit de manière générale, donner un guet. Mais si tu leur as prescrit écrivez et donnez un guet, alors de nouveau, c'est-à-dire quoi écrivez? Donc je vous impose que tous les trois, vous allez être maintenant les shlichim pour écrire le guet et aller le donner. D'accord? Ça c'est toute la première partie de la Mishnah. Amar lishnaim, il a dit à deux témoins, tnu guet le ishti. Il leur a dit, donnez un guet à ma femme. Ou le shlosha, ou bien il a dit à trois témoins, trois shlichim, kitvu guet ou tnu le ishti. Écrivez un guet et donnez-le à ma femme. Dans tous ces cas de figure, alors, arrêt elou irtevu veitnu. Ce sont eux-mêmes, spécifiquement, qui pourront, eux, donner le guet. Ça, parce que lorsque c'était deux personnes, peu importe la manière dont tu l'exprimais, tu
du nombre de personnes, c'est deux shlichim. Ce n'est pas deux personnes responsables pour le divorce de la femme. Ce sont deux envoyés pour divorcer la femme. Trois personnes, maintenant, ça devient plus intéressant. Trois personnes, en théorie, il pourrait y avoir un beddin, mais parce que tu leur as dit, tu as trop parlé, tu leur as dit écrivez et donnez, sur quoi tu dis au beddin d'écrire? Le beddin dit que tu veux donner un guet, et eux, ils se débrouillent et l'écrivent par qui ils le veulent. Donc lorsque tu leur dis à trois personnes écrivez et donnez, on comprend que ton écrivez, c'est vous-même. Et dans ce cas-là, donner, ça devient aussi vous-même, spécifiquement. Par contre, s'il a dit arrêt et loup, donc. Amar l'Ishlacha, par contre, s'il a dit à trois personnes, Tnou get le ishti, il a dit, donnez un guet à ma femme, deux minutes, on va l'écrire. Quand je te dis donnez un guet à ma femme, ça veut dire, faites tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire un guet à ma femme. Donc, soyez responsable du divorce de ma femme. Donc, quand j'ai dit à trois personnes, soyez responsable du divorce de ma femme, dans ce cas-là, alors ils pourront nommer d'autres personnes pour écrire et pour transmettre le guet aussi. Are elu, yomru l'achirim veirtovu. Ils pourront, dans ce cas-là, ce beddin, nommer d'autres personnes et qu'ils écrivent eux-mêmes le guet. Mipne shasan beddin, parce que, en les nommant, les trois personnes, en leur disant juste donner un guet, ça implique faites tout le nécessaire pour donner le guet. Et dans ce cas-là, je vous fais beddin pour être responsable que ma femme va divorcer. Divrei Rabbi Meir, tel avis de Rabbi Meir. D'accord? On a compris le principe. Alors maintenant, on va voir un premier témoignage de Rabbi Hanina Ish Ono, qui va nous témoigner au nom de Rabbi Akiva que c'est exactement la même chose. C'est exactement comme ça, l'alakha. Vezo alakha, et là, Rabbi Hanina ben Ish Ono, mi bet asurin. Telle est l'alakha qu'il avait rapporté Rabbi Hanina, l'homme de Ono, de la ville de Ono, mi bet asurin, lorsqu'il était revenu de la prison. C'est-à-dire qu'il avait rapporté ce témoignage au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a fini ses jours en prison, avant que les Romanim, il le scalpe. Alors, et donc il était en prison, et il y a plusieurs fois dans la Mishnah, dans la Gemara, on rencontre de temps en temps des halakhot ou des conduites qu'il avait, Rabbi Akiva, lorsqu'il était dans cette prison, justement, à la fin de sa vie, avant d'être exécuté. Alors, maintenant, donc il nous raconte que Rabbi Hanina Ish Ono, il a rapporté cette même halakha du Bet HaAsurin, de la prison où était Rabbi Akiva, mais Koubalani, et il nous a raconté, j'ai une transmission chez moi, Beomer l'Ishlosha, que celui qui dit à trois personnes, Tnou get le ishti, donnez un get à ma femme, Sheyomro l'Acherim veirtovu, que lorsque il va demander à trois personnes d'écrire un get à sa femme, alors ils pourront eux-mêmes nommer d'autres personnes pour l'écrire, et même pour le donner aussi, Mipnei Shasan Beddin, parce qu'en fait il ne les a fait que Beddin, il ne les a pas fait Shlichim pour divorcer, il leur a fait mieux, il leur donne un statut de Beddin. Ok? Ça, c'était donc l'avis de Rabbi Meir et l'avis de Rabbi Hanina au nom de Rabbi Akiva. Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi nous dit, attention, nous menons la Shaliach, on a rétorqué au Shaliach à Rabbi Hanina, qui était venu témoigner, on a rétorqué que non, c'est pas le cas. Parce que Af Anou Mekoubalim, même nous, nous avons une transmission du contraire. Shafilou Amar le Bet Dina Gadol Shibrochala, même s'il a dit au Beddin, au grand Beddin de Roshalaim, tu nous guettes les ch'tis, donnez un guet à ma femme. Chez le Medo Virteo, ils devront ensuite apprendre à écrire et à le donner comme il faut. C'est-à-dire, en deux mots, je vous explique. Ils viennent et nous disent, non, lorsque tu nommes même si tu vas nommer le grand Beit Din de Yerushalayim, sache que ça change rien à la donne, tu les nommes d'être Shaliyah pour donner. Même si tu es parti voir le plus grand rabbin, tu aurais pu croire que c'est un Sanhedrin. Donc en fait, ton intention, c'est qu'eux vont s'occuper de faire divorcer la femme, qu'elle leur sera un guet. Ben non. Tu es venu leur dire, donnez le guet à ma femme, ça implique qu'eux, ils écrivent le guet et ils le donnent à la femme eux-mêmes. Ok? Et voilà. Shirtevo et nous. Fin de la première partie de la Mishnah. Maintenant, deuxième partie de la Mishnah, c'est beaucoup plus simple. Amar le Asara, kit vugat l'eshti. Il est rentré il était dans une salle, il dit, allez, écrivez un guet à ma femme. Qu'est-ce que ça veut dire, écrivez un guet à ma femme? Tu donnes ça à 10 personnes, et je leur dis, écrivez un guet à ma femme. Tous les 10, ils vont devoir écrire un guet ensemble. Chacun, comment on fait? Alors la Mishnah me dit, ben, Echad Kotev, ou Shnayim Khotumim, parmi tous ceux qui sont là, il faudra qu'il y ait un qui écrive à l'intérieur d'eux, parce que c'est eux qui ont reçu l'ordre. Et ensuite, ils pourront même aussi prendre deux personnes qui vont signer pour aller lui apporter le guet et la divorcer. Ok? Clair pour le moment, parce qu'elle apporte que lorsque tu adresses pour la personne. Faites, ça ne veut pas dire tous. Ça veut dire celui qui veut faire. Moi j'ai besoin de vous pour que vous le fassiez. Donc il y a quelqu'un qui va se porter pour le faire. Maintenant, s'il leur dit Kulchem, Kulchem, Kodvou, s'il leur a dit, tous vos 10, écrivez tous ensemble un guet à ma femme, j'en ai marre d'elle.
Alors quoi? Echad Kotev, Vekulan Chotmim. Il faudra qu'il y ait un déjà qui va se mettre à écrire, bien sûr. Deux, et tous qui vont signer sur le même guet. D'accord? Donc en fait, lorsqu'on dit tous, ça veut dire que maintenant vous êtes devenus tous des témoins pour ce même guet. S'il en manque un, ça invalide tout le reste. Ok? Les ficar, de ce fait, puisque maintenant c'est devenu, j'ai imposé à 10 personnes d'être témoins pour la même scène, de ce fait, ils me mettent echad mehen à réaliser get batel. Si ensuite il y en a, on n'a pas encore fini d'écrire le get, il y en a eu un d'eux qui est mort, parmi les 10, il n'en reste plus que 9, et bien dans ce cas-là, à réaliser get batel, le get est annulé. Il n'a pas été, il n'est plus réalisable comme ce que j'ai demandé de le faire. Je demandais de le faire avec des signatures de 10 témoins, et tu as plus que 9 témoins, parce qu'il y en a un qui est parti déjà. Donc le get, il est invalidé. Ok? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Slachakol, tout ça.